monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Game of Thrones. Alors je pensais que ça pourrait être sympa en fait parce que j'avais parlé de PLL et on avait été plusieurs en fait à regarder la série, à avoir envie de partager etc. Donc je me suis dit Game of Thrones c'est quand même la série en ce moment qui fait beaucoup parler d'elle, c'est une des séries préférées je crois bien dans le monde entier. Donc du coup j'avais envie d'en parler avec vous, de vous donner un petit peu mes personnages préférés. Les personnages que je déteste, à mon avis un petit peu sur tout le monde. Et du coup je pense que je ferai une deuxième vidéo si jamais celle-ci vous a plu, où je vous dirai, parce que je n'ai pas lu les livres en fait, donc comment est-ce que moi je pense que ça va se passer, tout en sachant que du coup c'est des risques, parce qu'évidemment vous avez bien compris que Game of Thrones, là-dedans en fait il se passe toujours des trucs complètement improbables en fait, donc planifier quelque chose c'est pas forcément évident, mais voilà, donc quand même comment moi je projette les choses, comment j'ai l'impression que les choses sont en train de se mettre en place, notamment avec l'épisode qui est sorti cette semaine. Alors je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, donc mais l'épisode, attention spoil si jamais vous n'êtes pas à la page de Game of Thrones, mais l'épisode où du coup Jon Snow part avec les Sauvageons pour négocier et donc il rencontre toutes les tribus là, donc cet épisode là, je trouve pour moi de mon point de vue a vraiment axé les choses en fait, enfin il y a des trucs que j'ai compris dans cet épisode et que j'avais pas percuté en fait dans les autres épisodes, donc du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa de vous donner mon avis. Mais là on va vraiment rester sur les personnages. Alors tout d'abord ma préférée, si je devais donner un personnage préféré, ce serait Daenerys Targaryen évidemment. Je pense que c'est la préférée d'à peu près tout le monde franchement. Je l'adore en fait, pour tout vous dire, moi Game of Thrones à la base j'ai pas du tout accroché, dans ma fac tout le monde en parlait en fait. C'était un peu la série événement, tout le monde voulait se faire son point de vue et du coup comme c'est la série qui buzzait, bah forcément j'avais envie de regarder pour me faire mon propre avis. Donc du coup j'ai regardé les deux premiers épisodes de la saison 1 et franchement j'ai trouvé ça mais pourri, genre violent, du sexe mais non justifié, des meufs à poil pour rien. Enfin du coup c'est un truc qui m'avait gênée et puis je trouve ça assez brutal quand même. Donc moi j'aime pas trop les séries malsaines où il y a de la torture, où on voit des scènes trash et tout. Moi je suis assez sensible à ce niveau-là, alors c'est pas un truc que j'aime voir en fait. Et puis il y avait Daenerys là-dedans et en fait j'ai regardé un peu d'autres épisodes en me disant faut pas se limiter qu'aux deux premiers, il faut quand même avoir une vision un peu plus générale de la chose. Donc du coup j'en ai regardé d'autres et après il y a Daenerys qui fait son apparition, du coup avec son histoire avec Drogo, enfin avec Drago, je me demandais un peu comment ça allait se passer, j'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver. Et en fait j'ai trouvé le déclic ça a été quand elle parlait avec une des filles qui est censée être une des servantes de Drago et donc qui va s'occuper d'elle et qui elle a couché avec pas mal d'hommes et du coup ça fait comment les manipuler etc. Et du coup enfin Daenerys demande de l'aide à cette fille pour lui demander comment faire pour qu'elle se fasse aimer, enfin pour arriver à s'en sortir en fait. Et donc du coup elle va lui donner des conseils etc. Et c'est comme ça que Daenerys va prendre un peu sa vie en main et puis va arriver du coup à changer la relation qu'elle a avec Drago pour qu'il tombe amoureux d'elle et qu'elle tombe amoureuse de lui. Enfin, et du coup voilà, ça qui m'a plu c'est son histoire à elle, j'avais envie de voir ce qui allait lui arriver en fait. C'est à cause d'elle uniquement que je regarde cette série. Alors après évidemment je me suis pris d'attachement pour d'autres personnages et puis on est toujours curieux de savoir ce qui va se passer dans les histoires parallèles quoi. Mais moi c'est principalement pour elle. Donc gros crush pour Daenerys. Après, le deuxième personnage que j'aime le plus, c'est Tyrion Lannister. Alors franchement, ce personnage. Alors je suppose que si, ça va faire partie des chouchous à mon avis, mais qu'est-ce que je l'aime quoi. À chaque fois, j'adore. Je trouve qu'il a de la répartie, il a une finesse d'esprit de fou. J'aime beaucoup comment il réfléchit, il a une sagesse en fait, il a un petit côté ironique en plus, à prendre tout le truc au second degré, de par sa position, de par ce qu'il a l'habitude de voir. Du coup, c'est vrai qu'il il a un rôle vraiment particulier en fait dans cette série je trouve, et moi c'est un rôle que j'adore en fait. Enfin je veux pas dire que je peux m'y retrouver parce que ce serait pas vrai, mais dans tous les cas c'est vraiment un personnage auquel je m'identifie, que j'ai envie de voir, que je trouve vraiment sympathique, et je suis sûre qu'il va apporter des choses vraiment positives à la série et j'ai envie qu'il reste le plus longtemps possible. Donc franchement ouais, Tyrion je l'adore quoi. J'aime le regard amusé qu'il porte sur les choses, comment il manipule son monde aussi, parce que il faut survivre mine de rien, même pour lui, enfin surtout, j'ai envie de dire même pour lui et surtout pour lui, parce qu'il est un peu pris en étau finalement, parce que les gens du peuple on va dire ne l'aiment pas parce que c'est un Lannister, donc il est supposé du coup faire partie du sang royal, donc quelque part il est censé être snob etc. Et en même temps sa propre famille le rejette en fait à part son frère, donc du coup lui en gros il est mal aimé de tout le monde, en plus il est nain donc ça en rajoute une couche quoi. Et voilà, donc du coup j'aime bien en fait comment il évolue dans ce milieu, comment il s'en sort. Le troisième personnage que j'aime, je dirais, alors le problème c'est que je me rappelle plus de son nom pour être complètement honnête avec vous, c'est l'araignée.
mais je sais plus s'il a un prénom, enfin il a forcément un prénom autre que ça, mais je me rappelle plus. L'araignée, le chuchoteur, là, le mec avec les petits oiseaux, alors lui c'est pareil, je l'adore aussi. J'aime trop la façon dont il s'exprime, la façon, cette espèce de calme posé qu'il a, comment aussi parle avec les gens, comment il se renseigne, enfin, son histoire personnelle aussi m'a touchée. Voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est un personnage que j'ai envie de continuer à voir, que j'aimais énormément. Et après j'aurais envie de dire ex aequo par rapport à lui ou même éventuellement avant, mais enfin c'est complètement différent en fait parce que l'araignée a un rôle beaucoup plus passif, mais Jon Snow aussi que j'adore. Alors il y a plein de filles qui le trouvent hyper sexy, on va pas se le cacher, il est sexy, mais moi c'est pas du tout pour son corps en fait, c'est vraiment pour le rôle qu'il incarne, la façon, enfin, qu'il a été rejeté de sa famille plus ou moins, que du coup il se retrouve là-dedans au niveau du mur et qu'ils doivent s'en sortir, la rencontre qu'il a eu avec Hagrid. Voilà, je trouvais ça. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs leur histoire à tous les deux quand elle est morte, j'étais là, non, pourquoi? Franchement, je sais pas, je. En fait, j'aime ce qu'il vit. En fait, bon, c'est que j'aime le personnage, j'aime ce qu'il vit, j'aime sa franchise, j'aime le fait qu'il ait de l'audace et qu'il aille jusqu'au bout, qu'il fasse les choses bien, qu'il fasse les choses justes et qu'il pense pas juste à manipuler les gens et à faire sa petite sauce là. Mais c'est aussi lié à l'histoire du mur en fait, c'est qu'à chaque fois que c'est l'histoire de Jon Snow, c'est toujours vu par ses yeux et ça me plaît, d'autant que j'aime bien son pote en plus, qui est gros là, dont je me rappelle pas le nom non plus. Très soudainement, mais ça va me revenir genre dans 2 minutes. Non, pas Alex. Je sais plus que Sam, voilà, Sam. Eux tous les deux, je les adore et j'aime beaucoup l'histoire au niveau du mur parce que c'est la partie un peu surnaturelle qu'on a vue dans les premières saisons et qu'on n'expliquait pas forcément. D'ailleurs, soit dit en passant, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais les marcheurs blancs, ils ont un peu changé parce qu'au départ, ils allaient super vite en fait. Enfin, dans le tout premier épisode, tout ce qu'on a vu, on voyait carrément des mirages et tout, alors qu'après, finalement, maintenant, c'est plus des sortes de zombies. Enfin, ça a un peu changé, j'ai l'impression. Du coup, comme je suis pas une fan inconditionnelle, que j'ai pas lu les livres, etc., n'hésitez pas à me. Éventuellement à m'aiguiller. Et aussi, disclaimer, j'aimerais bien genre que vous disiez pas en dessous de la vidéo, ah mais en fait lui va mourir, lui va mourir. Enfin voilà, parce que si on n'a pas lu les livres et qu'on est à fond dans la série, vous comprenez que ça serait tout nous gâcher en fait. Donc s'il vous plaît, soyez gentils. Parce que moi je modérerai de toute façon, s'il y a du spoil, je supprimerai parce que je veux pas que les autres soient spoilés. Mais moi du coup, je serai spoilée dans tous les cas. Donc s'il vous plaît, soyez cool parce que j'aime beaucoup la série, j'aurais pas envie du coup d'être complètement spoilée quoi là. Donc ouais, franchement, j'aime bien ce qu'il représente, j'aime bien les marcheurs blancs, on a envie de comprendre ce qui se passe. En plus, on sent qu'il y a quelque chose par rapport à lui et par rapport à son frère aussi. Soi-disant passant, alors ça j'aurais même fait de vous en parler dans l'autre vidéo, mais c'est pas grave. Son frère, vous savez, qui est tombé, là, qui est devenu handicapé, qui peut plus marcher, c'est Bran, je crois, c'est ça son prénom, quelque chose comme ça. Lui, il est censé avoir trouvé la corneille là, à trois yeux, et maintenant on ne le voit plus, quoi, le type. Voilà, donc est-ce que quelqu'un est au courant de quelque chose? Ai-je manqué une histoire? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est passé dans le monde de l'au-delà? Je sais pas. Si vous pouviez m'expliquer un peu, ou si c'est juste peut-être que c'est en pause, parce que pour l'instant, on n'entend plus du tout parler en fait. Donc je m'étais dit au début de la saison, bah ils vont sûrement en reparler petit à petit. Enfin, tu vois, je m'étais dit, ils vont pas, voilà. Et en fait, il n'y a toujours rien. Donc je me dis, bah en fait, ils comptent pas en parler, je sais pas. Donc n'hésitez pas à m'éclairer à ce sujet-là. Donc ouais, j'adore du coup Jon Snow. Et après, donc elle est morte, mais c'était Shae. J'adorais Shae en fait. Je sais pas, je l'aimais trop. J'aimais le fait aussi qu'elle soit. Enfin, en fait, moi j'aime tous les personnages qui sont honnêtes quoi. Donc du coup, ça en supprime pas mal. Mais j'aimais bien Shae. En fait, je trouve qu'elle était belle. Elle avait vraiment une beauté. J'aime bien comment elle était habillée. Je trouve qu'elle dégageait vraiment un charisme particulier en fait. Puis elle allait super bien avec Tyrion. Et d'ailleurs, j'en ai voulu. Enfin. C'était trop tragique, je trouvais, quand il lui a menti pour la protéger en fait, sauf qu'au final elle est quand même restée et au bout du compte ça l'a tuée, qu'il lui ait pas dit la vérité. Et c'est ça qui fait du mal, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est qu'il lui a menti pour qu'elle s'en aille, hein, en lui brisant le cœur, mais pour qu'elle reste en vie en fait, et au final elle reste et il est obligé de la tuer, enfin du coup c'est. C'est trop triste. Donc voilà, ça c'est vraiment mes personnages chouchous, je dirais. Après, je me pose des questions genre sur. Je me rappelle pas son nom, je sais pas, c'est Margaret Mar. Margaery ou Marjorie, voilà. Je vais pas m'amuser à me dire Marjorie à chaque fois, donc on va dire Margaery, ce sera très bien. Elle, je sais pas trop quoi en penser. En fait, je l'aime bien. Enfin, je sais pas, elle dégage quelque chose de sympathique pour moi. Peut-être aussi lié au fait qu'elle est complètement contre Cersei et que Cersei, je ne peux pas la voir. Donc, du coup, forcément, je suis peut-être contente que si elle rentre en rivalité et puis qu'elle est en train de monter son fils contre elle, ça, je suis bien contente. C'est peut-être lié à ça, mais j'aime bien son personnage, je trouve qu'il est bien joué. J'aime bien le fait. En fait, elle me fait penser un petit peu, sa maison, les Tyrell là, il me faut penser au. Dans Harry Potter, et dites-moi si vous c'est pareil, dans Harry Potter, l'école de sorcellerie qui est française, avec Fleur de la Cour. Franchement, ils me font trop penser à ça. En plus, ils sont habillés en bleu pareil, leur emblème c'est une fleur et tout. Enfin, je sais pas, du coup, j'assimile à ça.
je l'assimile en fait un peu à Fleur de la Cour, un peu à cette ambiance d'Harry Potter, donc c'est peut-être éventuellement pour ça que je l'aime bien. Mais je l'aime bien, voilà, donc j'espère qu'elle va rester aussi. J'espère, soit dit en passant, si vous avez vu les épisodes du coup très récents, qu'elle va réussir à sortir de là, et son frère aussi, mais j'aimerais bien que Cersei y reste par contre. Un autre personnage que j'aimais aussi et qui est mort, trop triste, c'est. Je le trouvais super sexy en plus. Oberyn, franchement, je l'aimais trop et ça m'embête qu'il soit mort, je trouvais. En plus, je trouvais qu'il avait un charme, qu'il avait un côté un peu sexy. En fait, j'aime bien ce côté un peu. Je sais pas, puis c'est pareil aussi, il avait une sorte d'honnêteté quand même. Enfin, le fait qu'il en plus il soutienne Tyrion et tout, enfin, pour moi, ça a vraiment rajouté. Enfin, je l'aimais trop, quoi, voilà. Et j'aime trop Dorne aussi. Je trouve qu'ils ont une bonne mentalité là-dedans. À part sa femme qui est devenue complètement tarée depuis qu'il est mort et qui fait tout pour tuer tout le monde. Voilà, mais c'est à part ça, j'aime bien Dorne aussi, je trouve qu'ils sont assez réglo, enfin de ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant, donc voilà. Les personnages que je déteste maintenant, que j'aime pas du tout et que j'ai vraiment envie qu'ils meurent. Alors, le premier sur la liste, sans surprise, c'est Ramsay Bolton. Mais alors lui, mais en fait lui c'est une des raisons pour laquelle j'aime pas Game of Thrones, enfin à des moments je redoute un peu de regarder les épisodes, c'est à cause de lui, ce mec, mais c'est un malade mental. Il est dégueulasse, en plus je trouve que l'acteur est dégueulasse, il joue un rôle dégueulasse, enfin pour le coup c'est super bien fait parce que on voit bien qu'il est dérangé, on voit bien que dans son regard il est complètement dérangé, qu'il est complètement, il a un problème quoi, franchement. Sérieusement il a un décalage avec la réalité quoi, et enfin il est complètement sadique, c'est un truc de fou. Mais l'acteur le joue super bien, c'est-à-dire que l'acteur en lui-même, presque je me demande s'il n'est pas sadique aussi, quoi, tellement il le fait bien. Enfin, alors après voilà, je pense que c'est aussi une performance d'arriver à faire un rôle comme ça et de rendre un personnage aussi antipathique, parce que je me demande bien les personnes qui peuvent aimer ce personnage, parce qu'il est à dégueuler, vraiment, c'est une immonderie pour moi. L'autre que j'aime pas, c'est Cersei Lannister. Alors d'un côté je l'aime bien parce que je trouve que son personnage est extrêmement intéressant en fait, et qu'elle a souffert aussi de pas mal de choses et qu'elle garde une aigreur en fait, elle est assez acide par rapport à la vie. Donc son personnage est intéressant et puis il enrichit vraiment l'histoire, mais ça reste quand même une grosse connasse quoi, voilà, hein, parlons peu, parlons bien. Ça reste quand même quelqu'un d'assez violent en fait, qui hésite pas. Alors se dit en passant, la dernière grosse connerie qu'elle a faite quand même, sachant qu'elle fait inceste, qu'elle couche avec son frère, que tous ses gamins sont incestueux, elle aurait peut-être pu éviter d'aller armer la foi, hein, je sais pas. Moi je dis ça, j'ai rien. Donc voilà, elle est pas très maligne pour le coup, quoi. Elle était tellement aveuglée par son désir de récupérer son fils qu'elle a fait n'importe quoi. Donc maintenant, plus son fils, qu'elle voulait tellement protéger tout aussi bien, il va crever parce que du coup c'est le fruit d'un inceste, donc du coup c'est un enfant diabolique ou je sais pas quoi. Tout aussi bien vont vouloir s'en débarrasser, donc franchement à sa place, elle a même fait de se taire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc n'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous plaisent et vous intéressent, auquel cas du coup je ferai la deuxième vidéo donc sur ma chaîne où je vous donne mon avis sur Game of Thrones. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!